Attends. Ce chemin-là mène droit à la cité. La cathédrale se trouve là. Et la tour est de l'autre côté. Ce qui veut dire que l'entrée de Kitej est forcément... ici. L'entrée de Kitej est ici. Vous le saviez. Il ne faudra pas longtemps au Trinitaire pour découvrir où se trouve la source. Mais... je peux pas laisser tomber Jonah. Même si ça implique de faire une croix sur la vérité que vous recherchez. Il a risqué sa vie pour m'accompagner ici. J'ai déjà failli perdre une fois. Ça m'a suffi. Allez-y. Faites ce qu'il faut. Si Jonah est en vie, ils doivent le détenir dans l'ancien goulag soviétique. Putain, parti là-haut. J'ai aucune envie de retourner dans cet endroit sinistre. Ah, moi non plus, je pourrais y retourner. Et je ne peux pas le laisser aux mains des Trinitaires. Jonah, tiens bon. Sophia, tu es là ? Lara ! Est-ce que tout va bien ? Oui, je suis près de l'usine de cuivre. J'ai une vue imprenable sur le goulag. Je m'apprête à aller chercher Jonah. Je vois où tu es. On a caché une réserve d'armes dans ce coin la première fois qu'on a attaqué les Trinitaires. Tu vas en avoir besoin. Merci, Sophia. On se revoit quand j'aurai réglé ça. Encore de la propagande.
La tempête se rapproche. Mais sache que malgré le peu de temps qu'elle a passé avec toi, elle t'aimait plus que tout au monde. Nous étions très heureux tous les trois. Et quand elle nous a quittés, j'étais dévasté. Je le suis toujours. J'espère trouver un jour un moyen de faire disparaître cette douleur. Pour moi, il est trop tard. Mais pour les autres... Il faut que je trouve un refuge. Je n'aurais pas dû douter de toi, papa. Je n'étais pas là quand tu avais le plus besoin de moi. Je suis désolée. Tout le monde saura que tu avais raison depuis le début. Que tout ceci était réel. Que tu n'étais pas fou. Je vais le prouver, papa. Je te le promets. Lara, dépêche-toi. Jonah t'attend. Jonah.
Jonah doit être là-bas, quelque part. Extraordinaire. La source divine. Elle est au cœur de la cité antique, enfouie sous la glace. Alors ne perdons pas de temps. Je préviens les équipes de forage et j'organise le transport. Nos hommes ont rencontré les immortels dans les archives. Ça ne va pas être facile, petit frère. La voie sainte est un chemin pavé d'embûches. Les hommes sont-ils conscients de ce qui les attend ? Non. Mais ils sont entraînés au combat et prêts à mourir pour la cause. C'est tout ce qu'on leur demande. Constantin. Maintenant que nous sommes proches de la fin. Mais non, nous n'en sommes qu'au début. J'ai peur que nous ne soyons que des marionnettes. Et si les Trinitaires ne te laissaient pas garder la source, il faut qu'on soit prêts. Non ! Tu dois garder la foi. Je n'ai pas été choisi par les Trinitaires. Une fois que j'aurai récupéré la source, tout ça ne sera plus un problème. Je serai à la tête de l'armée immortelle de Dieu. Et toi, tu ne mourras pas. Constantin, le prisonnier est prêt. On vous attend pour l'interrogatoire. Je me mets en route. Ils sont partout. La gâchette qui me démange, désolé. T'avais bougé, t'as réagi. J'aurais fait la même chose. Tout a l'air calme. Reste quand même sur tes gardes. On attend des invités. Le camion était trop lourd. On s'est effondré. Tout se casse la gueule ici. C'est pas possible. Faut pas qu'on prévienne ? Pas la peine. Tout le monde est en train de se préparer pour la prochaine phase. Ok, on a enfin trouvé ce qu'on est venu chercher ? C'est pas sûr. Constantin a juste donné l'ordre à tout le monde de se préparer. De quoi ?